Sur les réseaux sociaux, le journaliste Clément Garin a affirmé que Denis Brognard allait quitter la présentation de Koh-Lanta. Une fausse information selon Alexia Laroche-Joubert, qui a tenu à rétablir la vérité. Pour les fans, Denis Brognard est indissociable de Koh-Lanta. Il faut dire que cela fait plus de 10 ans que l'animateur est le visage du célèbre jeu d'aventure. Mais se pourrait-il qu'il soit sur le point de tirer sa révérence? Si est-il le bruit qui court depuis plusieurs mois. L'un des premiers à avoir lancé cette rumeur n'est autre que Guillaume Janton, chroniqueur emblématique de Touche pas à mon poste, qui avait donné cette information dans son émission du Morning Live sur Virgin Radio. À l'époque, ni l'animateur ni la société de production Banijay ne s'étaient embarrassés à réagir à ces bruits de couloir, ce qui avait rapidement estompé l'inquiétude des fans. Mais voilà qu'un autre journaliste vient de mettre une pièce dans la machine, il s'agit du blogueur Clément Garin, qui a lui aussi officié dans Touche pas à mon poste. Ce dernier l'affirme, le mari d'Hortense serait bel et bien sur le point de tirer sa révérence à la présentation de Koh-Lanta. Clément Garin recadré par Alexia Laroche-Joubert signale sur Twitter que Clément Garin a fait part de cette information. Très vite, des internautes ont remis en cause la véracité de ces dires, mais le blogueur a campé sur ses positions. Là je suis tellement sûr de moi à 3000%, j'ai des recoupements de dingo donc bal et steak de leur démenti, si est sûr à 3000%, j'ai un membre du directoire de Banijay qui me l'a confirmé donc serein, sic, a-t-il écrit sur le réseau social. Seulement voilà, cela n'a pas franchement fait rire Alexia Laroche-Joubert, patronne de la société de production, qui a dénoncé une fausse information. Le mec s'est cru un 1er avril, je confirme c'est complètement mensonger, a-t-elle déploré. La voir le désavouer de la sorte a mis en rogne Clément Garin qui, très vite, lui a répondu la chose suivante. Le mec a une question pour vous très chère Alexia, pourquoi n'avez-vous pas démenti la même info de Guillaume Janton il y a 3 mois? Pourquoi vous empressez-vous de la démentir ce soir? Parce que c'est moi et que je dérange? Je suis tout oui. Ambiance dans les coulisses de la télévision.